Bonjour, c'est David, professeur de Pilates, formé à la méthode de Gasquet. Aujourd'hui, on va faire une petite séance avec un Swiss ball, un gros ballon. Allez, c'est parti. Voilà. Donc le ballon, pour bien le choisir, déjà après un, il faudrait que vous soyez à angle droit. Ok? Le genou à angle droit. D'accord? On se met bien sur le dessus du ballon. Hop là. Et on se redresse. Vous avez vu, j'ai mis mes fesses en arrière sur le sommet du ballon. Et voilà, le menton rentré. Je cherche à toucher le plafond. Ok, une fois qu'on est comme ça, toujours pareil. Expiration. Inspiration en gonflant le ventre. Expiration, anus pubis se contracte. Inspire. Expire. Inspire, expire. Voilà, on continue. Allez, sur l'expiration, on va basculer le bassin à gauche. À droite. Voilà, j'inspire, je continue. Toujours le même mouvement, toujours la même respiration. Voilà, vraiment c'est une fesse, comme si on voulait mettre une fesse sur le ballon, l'autre fesse se lève, une fesse sur le ballon, l'autre fesse se lève. Alors, on essaie vraiment de travailler la mobilité de la charnière sacroiliaque. Fais attention à tes pieds, parallèle. Voilà, là on a travaillé le bassin, maintenant on va travailler un peu juste au-dessus du bassin. Hop, le bassin va rester fixe. Et sur l'expiration, on va partir sur le côté. Translation. On essaie de garder les deux pieds au sol, de jouer avec ses appuis, de sentir qu'on a le pied opposé qui reste en contact avec le sol. Ok, on met les bras devant soi, on baisse les épaules, on rentre le menton. Et sur l'expiration, on va travailler la gaine, on va expirer, tourner. Inspire, expire. Attention, les genoux, ils restent bien orientés vers l'avant. Resserre, 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 resserre. Relâche le ventre. Expire, anus pubis, ventre qui se contracte, cage thoracique qui se resserre. Pour chercher un peu plus loin, pour travailler un peu plus la mobilité, on va envoyer un bras assez loin derrière et on regarde pour remettre ce bras. Reprends ta respiration. Expire. Le ballon est rond, donc si le ballon bouge, à toi de bouger aussi. N'essaye pas de rester stoïque, n'essaye pas de rester bien droit et droite, parce que c'est comme ça que tu vas perdre l'équilibre. Au contraire, le bassin bouge avec le ballon. Allez, encore. On va commencer à travailler un peu les jambes. Je me change pour les un peu mieux. Clac, tac, fessier. Voilà. Mes pieds sont parallèles, un peu plus ouverts que le bassin. Le menton. On peut mettre les mains sur le ballon et sur l'expiration, on va lever une jambe. Alors, soit je décolle juste le pied, soit j'essaie d'allonger. Tout en gardant mon redressement, mon auto-grandissement. Hop, je repose. Expire.
Voilà, soit tu gardes les mains sur le ballon, et petit à petit, tu peux essayer d'enlever les mains du ballon. Et pour ajouter un peu plus de difficulté, tu mets les bras devant. Et tu te redresses. Les épaules sont basses, les omoplates essayent de se rapprocher. Voilà, et en même temps, le ballon bouge. Donc en même temps, on essaye de garder notre équilibre. Donc il y a plein de compensations musculaires qui se produisent. On va rajouter un peu plus de difficulté. Ok? Sur la prochaine, je lève et après je vais faire une rotation. Allez, sur l'expiration, allez, on tourne. Expire. Reste. Expire. Repose, expire. Allez, souffle. Allez, 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 allez. Et redresse en même temps. Pousse le plafond avec le sommet du crâne. Hop là. Expire. Allez, souffle, tourne. Travaille encore un peu plus de cuisses. On va faire des petits squats, ok? Mais on gardera toujours le ballon en contact avec les cuisses, pas qu'avec les fesses, avec les cuisses, pour éviter la chute. On va commencer comme ça d'abord. Les doigts se touchent à peine, hop. On appuie à peine, on appuie avec la nuque sur les doigts. C'est la nuque qui appuie sur les doigts et pas le contraire. On ouvre bien les coudes. Et sur l'expiration, d'abord, on va incliner le buste. Rentrez le menton, poussez la nuque sur les mains. Reviens. Expire. On prend de plus en plus d'appui sur les pieds. Allez, mets du poids sur les pieds. Allez, encore. Mets du poids sur les pieds. Voilà, petit à petit, tu décolles. Garde l'appui sur le ballon. Tu peux mettre les bras devant, hein? Et la nuque est tirée vers le plafond, les oreilles tirées vers l'avant. Ok, si tu as mal aux épaules. Sinon, tu continues comme ça. La nuque est toujours en contact avec ses doigts. Et la nuque essaie de pousser ses doigts. Anus pubis se contracte durant mon ventre. Encore. Encore. On alterne, on lève une jambe. On tourne. Repose sur l'inspire, expire. Expire. Encore. Et on y va, on met le poids sur les pieds. On y va encore pour 6. Allez, une. 2, 3, 4,
Et on relâche. Et on bouge le bassin. Hop. Et on va aller chercher derrière. Et on revient devant. Pas trop loin devant. Ok, pour éviter de comprimer l'abdomen. Par contre, on peut aller chercher loin derrière comme ça. Étire devant. Hop, devant. Derrière. On va aller dans l'autre sens. On va faire un dos creux et un dos rond. On va mettre les doigts à l'intérieur. Les mains, les pouces vers l'extérieur. On resserre un peu ses pieds. On rentre le menton. Et sur l'expiration, inspire. Amène le bassin loin en arrière. Ok, tu t'étires, tu rentres le menton. Expire, anus pubis, la queue du chat entre les jambes. La poitrine vers l'avant, le dos part en arrière, le coccyx part en arrière, comme ça, c'est étiré, c'est pas cambré. Expire. Et encore une. Ok, on relâche. Tu peux boire un peu si tu veux. Alors, sur les genoux. Je peux décoapter mes genoux. Ok, les genoux sont toujours largeur bassin, donc deux points d'écart. Et je vais me mettre sur les talons. On va continuer un peu le travail des cuisses. Si tu as mal aux genoux, tu peux te mettre un coussin entre les cuisses et le mollet. Et les mollets. Comme on a le ballon en main, on va presser sur le ballon. On essaye de presser avec toute la ceinture scapulaire. Okay, c'est pas qu'avec les doigts, c'est pas qu'avec les mains et c'est pas qu'avec les avant-bras. Vraiment, tu contractes, tu baisses en même temps tes épaules, tu te gaines au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau des pectoraux. Allez, sur l'expiration, d'abord, respiration préparatoire. Et j'expire, je lève et je pousse mes tibias contre le sol. Allez, les coups de pied, les tibias, clac. On pousse sur les appuis. On rentre le menton. On va alterner, poser le ballon, pousser le ballon. On n'est pas les mains sur le dessus du ballon, on est les mains voilà, en arrière et on pousse encore. Travail de bras, les talons se joignent et sur l'expiration, voilà, tu es bien droit et droite et tu descends. Hop, tu fléchis et tu pousses dans le ballon avec les bras et tu remontes. Tu regardes bien mon dos et mes jambes ne font qu'un seul. Et les talons là, allez, tape et serre les talons l'un contre l'autre. Expire. Pour ceux qui veulent, tu peux aller plus loin avec les bras, et revenir. Dès que tu sens un petit pincement, là, un petit couinement, on va dire, au niveau des lombaires, tu vas moins loin avec tes bras. Ok, je me regarde dans le... J'essaie de regarder ma posture. Si vous avez un miroir, c'est toujours mieux d'avoir un miroir. Les coudes peuvent s'arrêter au niveau de la poitrine. Ou alors, comme je l'ai dit, on peut aller beaucoup plus loin et revenir. On repose, on récupère le ballon et on pousse. Allez, presse ce ballon-là. Rentre le menton, étire les cervicales. Les muscles de la nuque sont étirés. Allez, je pousse avec mes tibias. Anus pubis va contracter. Je pose sur le dessus, la main sur le dessus du ballon, j'amène en arrière, on va dire presque deux mains.
Et on y va. Et là, mes talons sont joints. Encore deux. Et une dernière. Et on relâche. Les mains sont dessus du ballon et on va basculer sur le côté. Tu lâches l'épaule supérieure. Elle part vers l'avant. Tu t'étires à fond. Tu regaines ton épaule, clac, et tu pars de l'autre côté. On regagne l'épaule et hop. Pour remonter, on va faire une sorte de vague avec son dos. Mais on va amener la cage thoracique vers le plafond en éloignant la cage thoracique du bassin. Sur l'expiration, anus pubis se contracte, le ventre se contracte. Si tu as un soutien-gorge, et ben c'est la tâche de soutien-gorge qui part vers le plafond. Et en même temps, la nuque, elle est tirée en même temps. Clac. On va le refaire. Allez, sur l'expiration, anus, pubis, le ventre, hop, le haut du t-shirt est tiré vers le plafond. Et comme ça, je ne contracte pas, je ne pince pas mes organes et je remonte. Hein? J'écrase pas mon abdomen quand je monte. J'essaye vraiment, c'est l'arrière ici là, qui est tiré vers le plafond. À ce niveau-là, tiré vers le plafond, l'attache de soutien-gorge, d'accord? Sur l'expiration, allez hop, l'attache de soutien-gorge là, et tirez vers le plafond. Et en même temps, la nuque aussi est tirée vers le plafond. Très bon ça, très bon pour le dos. Et maintenant, on va se mettre sur le côté. Hop, je décoapte un peu mon genou. Là, je me mets bord de tapis exprès pour que genou, pied et le ballon soient alignés. Ok ? Je suis sur le dessus de mon ballon. Je vais chercher l'équilibre sur mon genou. Je suis encore sur mon gros orteil. Je vais amener le bras vers le plafond. Hop, dans le prolongement de mon corps. Regardez mon bras. Voilà, il est bien là. Paume de main orientée vers le sol. Et sur l'expiration, je vais décoller légèrement ma jambe et pied flex. Petit étirement. J'ai toujours mon épaule qui est maintenue, qui est manchonnée. Ensuite, je vais venir ici. Mon buste est toujours ouvert. Et sur l'expiration, coup de genou. Inspire, tire. Expire. Le bassin, orienté vers l'avant. Encore une. Je me redresse. De suite, on va changer de côté. Genou, pied, hop, bien aligné. Mon buste au ras du tapis, bien aligné, bien à plat. Main sur le dessus du ballon. Sur l'expiration, je prends appui. J'expire, je m'étire. Voilà, je fais attention à mon buste. Je suis toujours plaqué contre la vitre qui est devant moi. Ok, main au niveau de la taille maintenant. Allez, expire. Encore 3. 1. 2. Et 3. On va refaire de l'autre côté avec une petite variante, bien entendu, parce que sinon
On s'embêterait, n'est-ce pas? Allez, on y va, on expire. Pied flex. Fais attention à ton pied, il n'est pas tout en travers, il n'est pas orienté vers le plafond. Il est orienté vers l'avant. Allez, maintenant tu te mets bien, tu te cales bien, le bassin est bien calé. D'abord, coup de genou. Ensuite, jambe en avant. En arrière. Coup de genou. 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 En avant. En arrière. Le dernier. L'autre côté. Clac, 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 tac. Bien positionné, ok? Les épaules un peu basses. Je roule sur le ballon. Je retiens. Je rentre mon menton. Mon épaule est basse. Je m'étire. Je me prépare. Clac, coup de genou. En avant. En arrière. Coup de genou. En avant. En arrière. Coup de genou. Allez, la dernière. Et je relâche. Déjà c'est pas mal. Allez, maintenant on va en faire un dernier sur le dos. Hop, on se met sur le côté et on cale le ballon contre les cuisses. Bien calé. On a toujours le coccyx, enfin pardon, le sacrum qui est calé sur le tapis. On allonge le cervical et on met les paumes de main orientées vers le plafond et les omoplates le plus à plat possible. Quitte à lever un peu pour rapprocher un peu ses omoplates. Attention, je ne cambre pas le bas du dos. C'est le haut du dos qui est légèrement creux. Allez, sur l'expiration, on bascule. Et on ramène. Expire, bascule. Ramène. Allez, expire. Anus pubis se contracte, le ventre se contracte. Je resserre mes côtes et je remonte. Encore. Allez, encore. Resserre. Relâche le ventre. Expire, resserre les côtes. Voilà, il faut que tu sentes que ton buste il se resserre, il se plaque un peu plus peut-être sur l'expiration quand tu resserres ta cage thoracique. Tu peux aller assez bas. Tu fais tout sur l'expiration. Encore. Ok, maintenant on va pousser. Hop, talons un peu les mollets sur le ballon. Les pieds sont bien engagés, bien tendus. Là, on va rapprocher ses bras de son corps. On est sur les tranchants des mains. Sur l'expiration, on va lever le bassin. Et on reste comme ça et on pousse sur le ballon. Fais attention à tes pieds, ils ne s'écartent pas. Ils sont bien orientés vers l'avant et vers le plafond. Allez, on redescend. Et bien sûr, sur la redescente, essaye de plaquer les lombaires avant le bassin. On en refait encore. Expire.
Allonge bien tes cervicales. Allez, force. Appuie sur la jambe gauche. Appuie sur la jambe droite. On redescend le dos. Et on repart. Appuie jambe droite. Maintenant jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Pousse sur les coudes. Lève le bassin. Et on redescend. On en refait encore une. Allez, on y va, on lève. Jambe gauche. Garde le bassin en l'air. Pousse sur les bras. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Le ballon bascule légèrement. Allez, jambe gauche. Jambe droite. Encore, jambe gauche. Jambe droite. Et on redescend. On ramène le ballon contre. Et on relâche. On croise les doigts, les pouces se touchent. On amène les bras en arrière. Petit stretch. Sur l'expiration, tu te plaques le dos au sol et tu amènes tes bras loin en arrière. Encore. Et on va en faire un dernier, on attrape ses omoplates et sur l'expiration on s'enroule. Et on resserre les trompes. Et on expire, on déroule et on éloigne la cage thoracique de son bassin. Et on relâche. Voilà, ça c'était la première séance avec Swiss Ball ou gros ballon. Je vous dis à très vite, profitez bien, adieu.